Monseigneur, bonjour. Bonjour, Denis. Vous Alors, allez bien Ça va, très bien. <laughs> et vous euh, Monseigneur, cette semaine, enfin le week-end dernier plus exactement, euh, vous avez participé à la rencontre diocésaine des groupes de prière du renouveau. Ça se passait à Confolan. Puis, euh, pas très loin, ensuite le dimanche, vous étiez à l'Éther euh, pour l'inauguration des jardins du presbytère et surtout le jardin des des Justes pour les Nations, en hommage à, à Sœur Saint-Cybard, juste euh, parmi les justes. <laughs> et entre les deux euh, la nouvelle paroisse de champigny vars compontouvre Saint-Amand, Gompentouvre, champigny oui. Et puis, euh, cette semaine, vous. Enfin, euh, lundi, vous étiez à Paris pour une rencontre des instances de communion du renouveau, puisque le renouveau, vous le retrouvez la semaine prochaine à Paris. Il y a un groupe d'accompagnement oui. hein, auquel vous participez. Euh, et ce dimanche, la reconnaissance de la paroisse, la visitation sur Bohème, avec bénédiction de l'hôtel de l'église de Nersac, ce sera au programme. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission avec notre invité, c'est Nicole Épron. Donc, Monseigneur, la rencontre diocésaine des groupes de prière du renouveau à Confolant, c'est un temps important pour le diocèse, pour ce groupe Oh, important pour le diocèse, important pour les groupes, important pour l'évêque de rencontrer les priants, quels qu'ils soient. Hein, donc une joie aussi, on m'avait demandé de venir animer et prêcher. Donc je l'ai fait comme j'ai pu et j'étais très heureux de pouvoir les rencontrer. Bon, c'était, voilà, donc euh, Confolant et, et puis, euh, bon, une belle vie fraternelle, joyeuse, euh, euh, donc, euh, bon, un bon temps passé ensemble. Un bon temps passé ensemble et puis un temps euh, qui est, est propre régulier. au renouveau, j'allais dire. Ce bon temps passé ensemble. Oh ben J'espère que non, 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 non. Il n'y a pas que dans le renouveau. Regardez dans la vie de paroisse. C'est des paroisses extraordinaires où on, on sème, on est content de partager, on est content de, voilà, de, de partager le pique-nique. On est content de prier ensemble. Hein. On avait la messe aussi le matin donc euh, à l'église Sainte Maxime de, de Confolant avec euh, le père Michel Fernandez. Donc un, un, vraiment une belle journée, une belle journée. Alors ensuite, le lendemain, c'est à l'Éther. On reviendra sur la reconnaissance de la ouais. paroisse Saint-Amand-Gonchampny après, mais on est dans le secteur de Confolan. Terres avait lieu dimanche, cette inauguration du Jardin du Presbytère et des Justes parmi les Nations, avec ouais. l hommage à Sœur Saint-Cybard. Voilà, donc sur, les, sur vos ondes, on en a heureusement parlé. Moi, j'ai fait connaissance avec Sœur Cybard il y a très peu de temps, puisqu'elle est reconnue juste parmi les Nations. La plus haute distinction, là, de l'État d'Israël et d'Yad Vashem concernant des, des personnes de quelque confession que ce soit qui ont aidé des juifs pendant la dernière guerre. J'avoue que ça a été un très très beau temps, hein, dans le sens où il y avait, euh, dans ce jardin des Justes qui a été inauguré, un très beau jardin dans une, au chevet d'une magnifique ancienne abbatiale et puis donc nous avons évoqué aussi bien la vie de Sœur Saint-Sibar que de Josie, cette petite fille de 5 ans qu'elle a aidée il y avait d'ailleurs là, cette femme n'a pas pu venir, elle vit aux États-Unis maintenant, mais elle a donné un témoignage audio très, très fort hein, sur la reconnaissance qu'elle avait vis-à-vis -vis de cette sœur qui l'avait beaucoup aidée. Et comment aussi elle, elle invitait à, à reconnaître que dans le monde d'aujourd'hui aussi, il y a des enfants persécutés, et, hein, dans des colonnes de réfugiés. Elle a été réfugiée, elle a été sauvée par sœur Saint-Sibard. Alors il y avait des, des, des descendants de la famille de, de sœur Saint-Sibard qui est. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas trop, c'était une sœur depuis de, de Pérou, hein, originaire des Pyrénées, et qui a été aussi euh, euh, directrice de l'école Saint-André, qui est devenue maintenant l'école Saint-Paul à Angoulême. Et puis elle est partie, en fait, j'ai su, elle est partie envoyée à l'Éther. Pourquoi Parce que l'Éther, c'était un petit peu périphérique par rapport à Angoulême. Parce qu'elle avait quand même quelques activités de résistante, et donc pour un petit peu la mettre à l'abri, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant comme réflexion de se dire ben voilà, cette femme, comment a-t-elle pu prendre conscience de, de cette atrocité hein, des camps de concentration pendant la dernière guerre Et trouver en elle-même, alors, la force pour pouvoir manifester la justice, et puis dans, dans son être de religieuse, de vivre l'évangile jusqu'au jusqu don d'elle-même, parce que c'était quand même un peu risqué. Hein, dans c'était en 1944. Et puis donc vraiment, moi j'étais très donc j'invite les diocésains. Ils avaient dit visiter maintenant ce jardin des justes en présence de donc ça a été inauguré en présence de Madame la Préfète, hein, de, du Maire de, de l'Éther bien sûr, de l'ambassadrice en France euh, d'Israël hein, et puis un certain nombre d'élus et autres. Donc on, il y avait une dimension euh, je veux dire de société très très importante. Voilà donc ça, ça a duré une heure et demie comme hommage. Donc, vraiment, euh, un bel hommage. Donné à Sœur Saint-Cibard. Alors, merci Sœur Saint-Cibard. Alors, ce n'est pas le premier hommage, parce qu'il y a dix ans, quand elle a eu cette reconnaissance, le comité Yad Vashem était déjà venu voilà, à Voilà, c'est ça. En fait, c'était l'idée, c'était dix ans après, d'ouvrir, pour que le souvenir demeure, d'ouvrir ce, de, de, ce jardin du juste. Mais avec hein, une stèle parlant d'elle, hein, sachant que son tombeau est toujours à l'abbatiale Saint-Gilles depuis Pérou. Mais effectivement, ce pas la remise de la reconnaissance et de la médaille des justes parmi les nations, mais un, un événement supplémentaire voulu par euh, M. Solpizet, là, de, le maire de l'Éther. Vraiment très, très beau. Un très beau jardin euh, et puis une belle, belle rencontre également. Euh, Monseigneur, euh, dimanche, euh, vous étiez aussi euh, euh, à la paroisse de Saint-Amand-Gonchampniers pour la reconnaissance ouais. de cette nouvelle paroisse. C'était une, une officialisation <coughs> parce que ça avait déjà été fait. Hein, euh, L'officialisation. Oui, mais non, non, c'était là bon, cette, cette nouvelle paroisse quand même qui a été. Euh, dire le curé était déjà en place, le hein, père Florentin Marchand. Mais donc cette nouvelle paroisse mise en place là, euh, à cette occasion. Bah, euh, voilà, c'est toujours un événement important pour les communautés, pour les curés, hein, comme on, on essaye de le vivre et on va le revivre donc aussi dimanche prochain. Un, un bon temps pour ceux qui sont là, euh, et, et je crois que ça ça va dans le bon sens, sachant et je le répète encore et je le répéterai toujours, l'idée c'est pas de centraliser et de dévitaliser euh, des petits coins, mais de permettre que chaque communauté locale et chaque clocher puisse se centrer sur l'essentiel de la vie chrétienne. Hein, la prière, le partage, le service des pauvres, euh, la formation euh, voilà Et un peu libéré de l'aspect euh, qui peut être administratif d'une paroisse Mais on reparlera de ça avec notre invité tout ouais. à l'heure Je reviens sur le, la rencontre du groupe de prière du renouveau à confolant ce sera suivi euh, ce lundi euh, et ce lundi euh, à Paris par une rencontre des instances de communion du renouveau puis euh, du groupe d'accompagnement du renouveau euh, vous ben oui ça fait partie de ma mission d'évêque au niveau national. Hein, donc l'événement important, ça a été ce qui s'est passé à, à la Pentecôte à Rome, où le pape a officialisé la naissance d'un service, euh, je veux dire, universel auprès du Renouveau, hein, euh, qui s'appelle maintenant Caris. Donc il y a un nouveau service maintenant français qui s'appelle Caris France. L'instance de communion devient Caris France, où nous voulons à la fois à la volonté du pape, selon sa volonté, faire connaître davantage ce qu'elle renouveau qui est au service de l'Église, en faisant connaître laquelle, cette démarche qui est le baptême dans l'esprit, hein, en faisant, en, en, en invitant aussi à plus de démarches œcuméniques et puis euh, en étant, je veux dire, développant le service auprès des pauvres, hein, des différentes facettes hein, du charisme, et des charismes liés à la grâce du renouveau, qui, d'après le pape, n'est pas un mouvement dans l'Église, mais l'Église en mouvement. Donc, dans euh, la mesure où on se laisse euh, euh, agir par l'Esprit Saint, on fait partie de cette grâce du renouveau, je crois. Monseigneur, ce dimanche 29 septembre, vous irez à la paroisse de la Visitation sur Bohème pour reconnaître officiellement cette nouvelle paroisse. On en parle dans une deuxième partie d'émission. Et pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, Nicole Leperon nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Nicole Leperon, vous êtes paroissienne de cette nouvelle paroisse de visitation sur Bohème. Vous êtes également responsable de l'aumônerie de l'enseignement public sur cette paroisse. Et Monseigneur, vous serez donc dimanche euh, à, dans Nersac. Cette à Nersac oui, pour l'inauguration, de, enfin, l'officialisation de cette nouvelle paroisse où il y aura aussi une bénédiction euh, du nouvel hôtel de l'église de Nersac. Euh, Nicolas Pron, cette nouvelle paroisse, la Visitation sur Bohème, c'est une nouvelle paroisse qui n'est pas vraiment une nouvelle paroisse parce que c'était l'ancien doyenné, c'est ça C'est ça, tout à fait. C'est l'ancien doyenné Angoulême-Sud et qui réunit plusieurs qui réunissait à l'époque plusieurs paroisses, qui sont maintenant devenues des communautés locales. Et nous avons déjà, depuis des années, l'habitude un peu de travailler ensemble. Alors c'est plus ou moins effectif certaines années, mais nous avons quand même déjà des services qui fonctionnent ensemble. Euh, ce qui fait que l'aumônerie, euh, oui, parce que c'est un peu ce qui me concerne le plus, mais l'aumônerie, on est déjà en, en paroisse, et puis il y a surtout la préparation au baptême, qui se fait pour les petits-enfants ou pour les enfants en âge scolaire, se faisait déjà sur, cette, sur le, tout le secteur, se faisait euh, à un seul endroit avec des personnes de chaque euh, paroisse. Enfin, voilà. Et euh, il y a aussi euh, la préparation au mariage qui se fait comme ça, et l'EAP, surtout depuis deux ans, qui regroupe des membres, deux, deux à trois membres de chaque... Euh, euh, ancienne paroisse, voilà, il va falloir s'habituer à dire communauté locale, habitués, voilà, communauté locale parce qu'on était habitué, voilà, c'est communauté locale donc nous avons déjà l'habitude de faire de, de travailler ensemble, de prier ensemble, d'avoir des célébrations communes Permettez, c'est effectivement dans ces cas-là, euh, l'idée, c'est quand même la mutualisation de tous les services, et on voit dans ce témoignage que ça existait déjà. Donc, en fait, la création de la nouvelle paroisse officialise ce qui existe, et en même temps, bah, une, nouvelle, une paroisse a une structure canonique, une identité canonique. Donc, on reconnaît canoniquement ce qui est déjà en route en invitant à aller encore plus loin. Mais est-ce que cette paroisse a servi d'exemple sur le travail de rapprochement de paroisses elle oh, servi d'exemple, oui, il y a une, je veux dire, tous les témoignages positifs, elle est dans le même sens. Alors après, il y a ce modèle de la nouvelle paroisse. Hein, euh, bah, du coup, il y, a, il y a comme un idéal et qu'on essaye de mettre en pratique hein, concrètement. C'est le cas aussi donc en sud oui, en Sud Angoulême Sud. Angoulême sud Angoulême ancienne ancienne Angoulême, Angoulême Sud. Et depuis euh, pas mal d'années, il y a pas mal de, de, de services qui travaillent déjà, qui fonctionnent en commun. Ce qui fait qu'on a eu aussi pendant des années euh, euh, les messes en famille qui tournaient dans les paroisses, de façon à ce que les gens apprennent aussi à bouger un peu et que les familles aillent dans la paroisse d'à côté. Parce qu'on a un peu tendance à, à rester dans notre, sur notre clocher, on a notre. L'église à côté de chez nous. Et voilà. Alors, comme la couronne a quand même, euh, sur le secteur, et a le plus d'enfants catéchisés, et plus de jeunes à l'aumônerie, ça permet justement de dynamiser aussi les plus petites paroisses. C'est important, et de préparer des choses ensemble. Mais quand on est dans un milieu rural comme ça, où on dit que la, euh, les moyens de, de communication, sur, pas, pas vraiment de communication, mais les moyens de transport sont, sont limités. Hein. Comment non, Rural et semi-urbain, hein, parce oui, que le, mais... le BHNS, <laughs> le bus à haute qualité de service, va quand même jusque-là. Oui, mais il ne va pas jusqu'à Moutier, il ne va pas jusqu'à Roulet non plus. Non, Saint-Michel quand même et Saint-Michel. Mais nous sommes habitués à demander à. Alors, euh, pas euh, Gomes, hein, je crois qu'il y a un service qui est déjà qui fonctionnait chez nous, qu'on a l'habitude de se regrouper dans les voitures lorsque l'on va dans une autre paroisse. Aussi pour euh, justement économiser euh, les carburants et puis surtout euh, prendre soin de notre planète, puisqu'on est quand même dans, dans le mois aussi euh, de la création et aussi dans, on parle beaucoup d'écologie, donc euh, c'est déjà les choses qui se font. Et alors qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette paroisse à mutualiser Oh, plein de choses, il y a plein de choses à faire. Il y a, il y a, à, comment dire, euh, mobiliser plus de jeunes, euh, comment regrouper, retrouver les parents, leur, leur proposer des choses aux parents. Parce que c'est bien d'avoir les enfants catéchisés. Nous, on a la chance à la couronne d'avoir des mamans qui font le caté, ou des papas d'ailleurs qui prennent les enfants en charge, euh, en, accompagnés par les catéchistes relais ou par euh, des personnes ou par le prêtre. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Rejoindre, je pense, aussi les jeunes familles. C'est vraiment ce qui reste à faire. Et puis, euh, puis peut-être, épauler encore un peu plus les petites paroisses qui sont euh, un petit peu plus loin, qui sont vraiment dans le rural et qui euh, ont du mal, des fois, à... À, bah, comment dire, à fonctionner et puis avoir euh, des personnes pour, euh, pour les différents services. Alors je pense que ces créations de nouvelles paroisses vont pouvoir aider. Ça sera peut-être plus facile une fois qu'on aura mis un nom et qu'on aura vraiment posé les choses, de pouvoir... Euh, travailler ensemble parce que ça reste encore euh, euh, c'est ma paroisse c'est mon clocher je veux la messe dans ma paroisse à telle heure je veux voilà alors maintenant ça sera une seule paroisse et puis ben voilà on va, ah on va essayer ceux qui sont un petit peu plus riches essaieront d'aider ceux qui le sont un petit peu moins et puis, euh, puis le Seigneur y pourvoira hein. on dit bien que rien n'est impossible à Dieu on espère bien qu'il va nous aider parce qu'on en a bien besoin quand même et puis donc c'est donc Claude Moqueté le curé et... actuel hein, qui est là pour justement être le, le pasteur de cette nouvelle réalité. Oui, avec, avec quelqu'un maintenant, un autre prêtre, un, un auxiliaire, je pense que l'on dit peut-être. Voilà, c'est ça, un voilà, prêtre du, qui vient aussi du Cameroun voilà. et qui va être à la fois un petit peu aux études et puis qui va permettre d'aider oui, aussi hein, dans, dans ce secteur. Voilà, le père Jacques Emmanuel. Mais alors, cette nouvelle paroisse regroupe quelles communes on peut alors y a pas mal de communautés, pas mal de clochers. Il y a euh, bah Saint-Michel, après quand on va sur du côté de Roulé il y a Roulé, Nersac, Sireuil, Chamillon, saint estèphe On descend un petit peu plus, il y a Plassac, Roufiac, Veuillet-Gigé, Moutier Et puis après, bah, vous remontez et vous avez la couronne. Je pense n'avoir oublié personne. Si j'ai oublié, veuillez m'en excuser. Bravo! Voilà. <laughs> voilà, voilà. Et euh, donc, euh, ça fait pas mal de clochers. Et puis. Euh, du travail pour notre, nos prêtres. La messe est à quelle heure dimanche La messe est à 10h30. Je le dis parce qu'il y avait un bon principe au départ qui était de se dire bien, quand il y a un événement comme celui-là, ça concerne tout le monde. Donc, je veux dire qu'on n'hésite pas aussi à se visiter, surtout que c'est la parole de la visitation voilà. <laughs> sur Bohème, de se dire ben, ça concerne aussi les gens d'Angoulême, à hein, la limite, s'ils veulent voir ce que c'est que maintenant la, la paroisse, de même si l'église de Nersac n'est pas très grande, mais, mais qu'en même temps, je crois que ça, ça fait partie, ça concerne tout le monde et pas simplement la. Les chrétiens du coin. Tout à fait. Et puis bon, euh, vivre la consécration d'un hôtel, c'est quelque chose. On s'est réuni pour préparer. Et bon, ben moi j'ai découvert ce qu'était la consécration ah d'un hôtel. C'est un des actes liturgiques les plus importants. Hein. Voilà. Et en fait, ça va être la première fois que je le fais. J'espère que je ne vais pas me tromper et que j'allais jusqu'au bout. <laughs> parce que c'est vrai que c'est un acte très important de consécration d'un hôtel c'est avec le saint crème avec lequel on, on utilise pour les baptêmes les confirmations, les ordinations et eh bien on va induire l'hôtel de, de, de saint crème il y a, les, il y a les, 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 les cinq croix qui marquent les cinq plaies du Christ il, y a, il va y avoir en maintenant des reliques il va y avoir un, donc tout un rituel, un rituel important et que je suis heureux de pouvoir vivre avec cette nouvelle communauté voilà, ben nous aussi, on va vivre, euh, on va vivre cette, euh, cet événement euh, qui va aussi permettre de fédérer un peu tout le monde et puis de se retrouver, parce qu'on est toujours très heureux de, de se regrouper, de se retrouver, mais pour ça, ben, il faut avoir quand même, ça ne se fait pas naturellement, ça se fait parce qu'il y, y a un événement particulier et puis voilà, on se retrouve et, et on peut passer une journée ensemble, un bon moment ensemble, comme vous disiez tout à l'heure, c'est important. Et c'est pour cela, cette bénédiction d'autel que le choix s'est porté sur Nersac pour cette officialisation de la paroisse voilà. de visitation sur Bohème. Oui, ouais, c'est faire coïncider un événement euh, particulier, parce que ça n'arrive pas si souvent avec un événement important qui est la naissance d'une nouvelle paroisse. Tout à fait, puis l'année prochaine eh bien, on aura, euh, je pense aussi une belle fête qui va se préparer avec l'église de la Couronne qui est en restauration qui, l'extérieur est terminé l'intérieur euh, avance beaucoup, on est allé visiter l'autre jour avec euh, les électriciens, la SONO tout ça, enfin, et euh, c'est vraiment magnifique les, les chemins de croix ont été déposés renvoyés à Limoges, euh, restaurés remis en place c'est magnifique, alors là actuellement découvert... Aussi des fresques, hein, c'est ça? Alors voilà, actuellement il y a une équipe qui est dans le cœur, qui refait toutes les peintures murales, qui les nettoie parce qu'elles étaient très sales, qui les restaure. Je pense que à la fin, ça sera quelque chose de magnifique et je pense que ça sera aussi un bel événement pour la visitation sur Bohème de se retrouver. Nous prochaine. irons à la couronne. J'espère bien, Père, nous vous attendrons. Tous nous irons. <laughs> Tous nous irons, oui, mais c'est quelque chose quand même, parce que restaurer une église ah oui. à l'extérieur et à l'intérieur, ça fait quand même un, un énorme ah oui, oui. chantier oui, un qui chantier, avance d'ailleurs très vite avec les compagnons de Saint-Jacques. Mais qu'en est-il du sol Parce que quand ils ont commencé les travaux, ils avaient découvert ces carreaux en terre cuite. Euh. Oui, alors ils ont défait dé des, car des carreaux pour faire des fouilles. Ils ont trouvé énormément de choses autour de l'église et dans l'église. Alors actuellement, ils, ils vont restaurer ces carreaux, mais ils vont laisser les carreaux... Enfin, les carreaux existants, je ils ne vont pas changer. Ça va rester. Ils en rajouteront parce que là où ils avaient fait des fouilles, ben, ils ont mis du ciment. Hein, C'est pas très joli. Donc il va falloir faire quelque chose, mais voilà. Ils vont rester, ça, va rester, euh, ça va rester authentique. Les carreaux d'origine, je enfin pense de, que du, du, la du, tomate, ouais. c'est des tomates oui, oui, qui vont rester. Voilà. Bien. Euh, pourquoi Visitation sur Bohème enfin, On le sait un peu, puisque le père Laurent Morin était venu nous parler euh, récemment de ce, redé, de ce redécoupage euh, du doyenné Grand Angoulême. Mais pour, comment s'est fait ce choix Est-ce que ça a été un moment euh, difficile Non, ça a été un moment, on a beaucoup, beaucoup, on s'est beaucoup rassemblé, on avait donné plein d'idées, ça a été compliqué pour choisir une idée. La première idée n'était pas la bonne, enfin bon voilà, c'est un peu comme ça se passe un peu souvent comme ça. Il a bien fallu un moment ou un autre trancher et la visitation sur Bohème parce que sur notre paroisse, maintenant notre paroisse, il y a beaucoup de d'accueil pour les personnes malades il y a donc l'hôpital de Girac, il y a le centre Camille Claudel, le centre d'alcologie et j'en oublie certainement Enfin, il y, a, il y a vraiment beaucoup de et beaucoup de personnes qui visitent les malades, alors c'est un peu pour ça que ça a été choisi parce qu'on était un peu parti sur Notre-Dame parce que ça nous plaisait bien, on avait les soeurs euh, à l'école Notre-Dame il y avait le foyer Notre-Dame on était parti pour Notre-Dame et puis il y en a déjà beaucoup dans le diocèse on va un peu se démarquer, alors les gens sont un peu, se demande un peu pourquoi et c'est où la visitation. Eh bien, venez nous visiter. Et Parce vous que la donne, le nom de Bohème donne effectivement la, la localisation, ouais, 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 normalement. Ouais, ouais. Voilà. voilà Mais elle ne passe pas dans toutes les, les paroisses, hein, dans toutes les communautés dans, locales. Il y a de l'eau dans la Bohème en ce moment Il y a un petit peu d'eau, oui. Un peu d'eau. Bon. Mais bon, voilà. S'il fallait fallait trouver, c'est jamais facile. Hein, de... Puis bon, pour, pour vraiment ça plaise à tout le monde c'est difficile aussi mais je crois qu'il faut aussi qu'on qu fasse des efforts et puis que on se dise que maintenant ben voilà oui. nous, hab... ben nous ben sommes bien. sur la paroisse de la Visitation sur Bohème on sait que Marie finalement a beaucoup de ouais. sera là et nous aidera à avancer euh... voilà dans notre construction de paroisse c'est donc dimanche, 10h30 à l'église de Nersac, à la fin de cette célébration, comme dans toutes les messes ce week-end, Monseigneur Gosselin, un communiqué sera lu sur la loi Mais de. La politique. Alors, ce dimanche là. Euh euh, ce dimanche, on va lire effectivement un communiqué. Il me semblait important de relayer un petit peu la position de l'Église de France concernant la révision des lois de bioéthique. Elles sont discutées au Parlement, ça a commencé cette semaine. Je pense que l'enjeu est suffisamment important pour qu'on se positionne. Et donc, j'ai demandé qu'un communiqué soit lu dans toutes les paroisses qui exprime à la fois euh, ben, une inquiétude face à ce qui se prépare concernant euh, ben, peut-être un manque un petit peu de dignité de l'homme, n'attaque du respect de l'homme et de la procréation humaine, et euh, un manque de respect aussi des, des droits de l'enfant, hein, euh, c'est-à-dire qu'il ce qui se met en place est de nature à ah, provoquer vraiment une dérive un peu de, de société. Donc, je pense qu'il est important qu'on puisse d'abord en prendre conscience, qu'on puisse s'informer, se former. Et puis peut-être exprimer aussi son désaccord, si c'est le cas. Mais cette cas, dérive, elle vient, de, elle, elle concerne les personnes âgées comme l'enfant. Le, on, on est sûrement, on, a, on est essentiellement là sur les, sur la procréation médicalement assistée, euh, sur le, le don des gamètes, sur euh, sur le fait de pouvoir, comme un droit, demander à pouvoir faire un enfant, une femme seule. Ou couple de deux femmes et euh, ça nous paraît euh, préjudiciable pour l'enfant de ne pas avoir de lien direct avec son père géniteur. Il y en a toujours un <laughs> aujourd'hui. Hein. Et puis euh, il y a tout ce qui concerne aussi des manipulations génétiques euh, qui peuvent aussi induire des, des, des voilà des voilà, difficultés. Donc euh, on n'est pas contre la, contre la science, mais la science doit aussi réfléchir sur ce qu'elle propose, et ce n'est pas parce qu'elle propose et que c'est réalisable qu'il faut forcément le faire. On le voit bien au niveau de la planète, c'est exactement le même sujet, mais respectons l'homme, tous les hommes, et donnons aussi aux enfants, tous les enfants, euh, des droits, et pas simplement le droit à faire un enfant, mais le droit de l'enfant à avoir des parents père et mère, et puis aussi d'être de, de, euh, vraiment inscrit dans cette grande famille humaine. Or, on a l'impression qu'il y a des enfants qui vont un peu émerger hors sol sans avoir ce lien. Or, on a besoin de se sentir en fraternité avec l'humanité. Donc voilà, je crois que c'est vraiment des enjeux importants. On ne peut pas rester indifférent à ce sujet-là, d'où l'idée de se communiquer, voilà, pour un, favoriser l'échange entre nous. Et, et ce n'est pas la position de l'Église catholique, c'est partagé aussi par beaucoup de personnes. Hein, ce n'est pas simplement les catholiques qui pensent que. Ce n'est pas au nom de leur foi chrétienne. La foi chrétienne impose un respect de l'homme. Mais ceci dit, il y a aussi beaucoup d'associations et de gens qui pensent, de scientifiques et de, hein, et de psychologues, qui pensent qu'il y a quelque chose, une, une dérive possible dans ce, cette loi si elle est votée telle qu'elle. Donc c'est lu euh, dimanche matin. Normalement, dans, les dans toutes les paroisses et toutes les messes du week-end. Ben merci beaucoup, euh, monseigneur. Merci aussi à vous, Nicolas Pron, d'être venu. Et puis oui, bonne, euh, ouais, que, <laughs> bonne messe dimanche 10h30 à NERSAC, donc officialisation de cette paroisse de la visitation sur Bohème. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Au revoir.